plus rasant, ça va peut-être compliqué pour les Bonnois sur les ballons hauts. On verra si c'est un paramètre qu'on va prendre en compte l'équipe de Nîmes. Et on n'a toujours pas trop. Non, on n'a toujours pas de vent. Non, 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 c'est vrai qu'on voit les drapeaux qui sont dans l'axe qui sont bien, donc y a le bien calmes. Il y a eu des changement pour Nîmes. Hein. Donc il y a le numéro 3 qui est sorti pour le joueur 23. Là, je vais juste faire le coup d'envoi. Oui. Désolé, David. Donc c'est Tilaru. Pardon. Voilà, le coup d'envoi donné par Beaune. Donc on a. Les rentrées. Allez, Curtis Jonas qui écarte sur Jules Misland. Alors Jules Misland, on sait que c'est un feu follet. Il adore avoir de l'espace. Et regardez, prise d'intervalle. Ouais, c'est bien fait ça. Il a gagné la ligne d'avantage malgré tout, hein, malgré deux défenseurs. Allez, Kevin Perrier qui rejoue avec Curtis Jonas, qui retrouve les avants. Plaquage. Allez, plaquage. Voilà, on attaque bien la ligne là. Et Curtis Jonas, ouais, qui fait du bien à son équipe. Allez, Harry Johnson qui joue avec Thomas Lani, avec les avants. Avec Esteban Cour, pardon, bien soutenu par Niakate. Ouais, ballon un peu lent, mais c'est pas grave, hein. On vient se proposer avantage, à hauteur aussi. Sur les bras du 1. C'est vraiment bien ce qu'ils font, hein, Beaune, en ce début de partie. Belle là. Passe là, oui, avec Antoine Frambourg qui est en pleine forme. Et ça écarte bien. Petit coup de pied dans le dos de la défense, c'est superbe. Et ça va jouer à la course là. Arrêt du temps. Ça va jouer à la course sur cette action. Avec Darmon, oui, Darmon qui perd le ballon. Un beau duel, hein. Un beau duel de Romain Darmon. Et coup de pied, petit coup de pied par-dessus de Justin Félix. Mais Jonas veille au grain. C'est sur des bleus. Ah, le ballon qui sort. Et à hauteur de la ligne médiane. Il va y avoir une belle touche. Belle touche.